Salut ami moi. C'est le numéro 22, rubrique quoi, ma Bible, mon trésor. Est-ce que ça pas contre étonné ou yon quantité de moun, pas contre sou la dan, passe tout temps yon a présenté yon quantité excuse pour yon parler la Bible qui c'est la parole de Dieu. Nous dit bien excuse parce que finalement, prétendu raison moun sa yon avance yon, yon pas gen anken vrai fondement. À titre d'exemple, certains disent que la Bible ne répond pas à leur goût ou leur préférence littéraire. C'est vrai, nous connaissons, chaque monde a des goûts particuliers et presque dans tout domaine dans la vie. Et c'est là encore une merveille de la part de Dieu. Mais, sous pousser réflexion l'un plus loin, même bon Dieu ça qui permet que vous ayez des préférences sur le plan littéraire, il est également l'auteur de la Bible. Ou pas ce petit détail, ça t'a échappé, mon Dieu? Non, Zanimoué. En gardez bien pour nous. Bon, tente fait une histoire très longue, vin très courte. Les préférences littéraires ont un certain rapport avec les genres littéraires. Nous connaissons le domaine littérature, yo parlé de contenant et contenu. Le contenu, c'est la pensée de l'auteur. Le contenant, c'est la forme utilisée pour présenter le message ou bien la pensée de l'auteur. L'un domaine la Bible, c'est presque même bagala. Le contenu de la Bible, c'est la pensée de Dieu, les principes, les commandements, le message que Dieu communique aux hommes. Le contenant, c'est la forme que prend la pensée de Dieu dans les différents groupes de livres de la Bible pour vous communiquer le message de Dieu qui correspond certaines fois à vos goûts et préférences littéraires. Zanmi mwen. Ça pas du tout un problème ou bien une excuse pour parler la Bible si votre préférence littéraire est le roman, le récit ou bien la poésie. Ça pourrait être l'épopée, la chanson, le théâtre. Votre préférence littéraire peut être le genre didactique, journalistique ou bien les formules juridiques. Tendez bien, amis moi. Quelle que soit votre préférence ou votre goût littéraire, la Bible, la parole de Dieu a satisfait les. D'où, ça qui a rapport avec préférence littéraire là, n'est pas une excuse pour capable parler la Bible. Tendez bien. Si vous préférez l'histoire, la Bible, c'est un livre d'histoire également. Allez dans l'Ancien Testament, un roi, deux rois, ou bien le Nouveau Testament, livre Actes des Apôtres. Si votre préférence est pour les prophéties, là encore, pas de problème. Dans la Bible, l'Ancien Testament, il y a une quantité de livres prophétiques. Ou bien dans le Nouveau Testament, il y a le livre Apocalypse. Si vous aimez les écrits de sagesse, je garantis, vous apprenez un pile goût pendant que vous appelez Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Proverbe ou bien le livre des Psaumes. Si préférence littéraire ou c'est la didactique, eh bien là encore, allez les paraboles de Jésus. Où est-ce que vous avez? Pas gain excuse par rapport avec votre préférence littéraire pour parler la Bible. Si votre préférence est le genre épistolaire, allez les lettres ou bien les épîtres du Nouveau Testament. Et si vous aimez et préférez les poésies, pas de problème, amis moi. Le livre des Psaumes, c'est un livre totalement merveilleux. Ou met à lili. Et si vous avez préférence pour les textes législatifs, allez dans l'Ancien Testament, Exode, Lévitique, Nombre, tout livre ça yo, y a satisfait votre exigence et vos goûts littéraires. Si vous remet les textes biographiques, ou capable de suivre dans la Bible la vie de Jésus, la vie de Joseph, la vie de David, la vie de Paul. Et si vous aimez la philosophie, allez le livre Ecclésiaste, son livre vraiment extraordinaire qui est inspiré par Dieu et qui va prendre un paquet de bagages pendant la satisfaire votre genre littéraire. Si vous avez une préférence pour les textes symboliques, allez Cantique des Cantiques. Et malgré l'ensemble des genres littéraires que nous joignons dans la Bible, la parole de Dieu, elle forme un tout. C'est un ensemble très cohérent. Ouais, tout bon vrai, Nabdiou, la Bible, c'est un livre merveilleux. Son trésor, non seulement sur le plan spirituel, mais également sur le plan littéraire. La conclusion est simple, mon ami. Dieu a tout planifié.
quelles que soient vos préférences et vos goûts littéraires. Maintenant, c'est à vous de décider de lire la Bible. Maintenant, quelle que soit excuse concernant préférence littéraire ou choisie pour pas lire la Bible, ça a toujours été une excuse. À vous de prendre la décision de lire la Bible qui, malgré ses différents genres littéraires, reste et demeure la parole inspirée de Dieu pour vous spécialement. Bonne lecture.